le sermon de vendredi en français intitulé « Des morales et exhortations tirées du changement de la direction de la Qibla ». Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le cochon, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en aille, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux que demande l'aide pour délier le joug, d'accomplir la salate, de s'acquitter à la zakat, et ceux que remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui s'entendront dans la misère, la maladie, et quand le combat font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Ensuite, les bénédictions, les donations et seigneuriales et dons divins destinés à la communauté mohammedienne au cours du mois de Chaban sont innombrables. Parmi les événements qu'on commémore au cours de ce mois et celui du changement de la direction de la Qibla de Beit al-Maqdis, Jérusalem, vers la mosquée sacrée à la Mecque. Il s'agit d'un événement d'importance capitale dans notre histoire islamique. Au vrai Dieu, gloire à lui, exauça le vœu de son aimé et élu, sallallahu alayhi wa sallam, et lui réalisa son aspiration de s'y diriger en prière vers la Kaaba honorable, la Qibla de son aïeul, Ibrahim, salé sur lui. Avant la migration, le prophète, salé bénédiction sur lui, se dirigeait en prière sur ordre de son Seigneur vers Jérusalem. Il resta ainsi pour 16 ou 17 mois après la migration. Il espérait impatiemment qu'une révélation lui descende, l'ordonnant de se diriger vers la mosquée sacrée. Il suppliait Allah de tout son cœur et l'évoquait par le biais de son état d'âme, conscient que son Seigneur lui réalisera son vœu un jour. Allah, gloire à lui, exauça sa prière et l'ordonna de se diriger en prière vers la mosquée sacrée. À ce propos, Allah, gloire à lui, dit « Certes, nous te voyons donner le visage, tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, donnez-y vos visages. Certes, quiconque médite profondément l'événement de changement de la Qibla en tirera un bon nombre de morales et exhortations concernant cet honneur qu'Allah accorda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont 1. La place privilégiée qu'occupe le prophète, salut bénédiction sur lui, et son prestige auprès de son Seigneur. Cela se montre clairement dans le discours qu'Allah destine à son prophète en lui disant « Ne te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. » À l'instar de cette honorabilité, s'inscrit le verset « Et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que ton soit satisfait. » À titre de prolongation de la grâce que son Seigneur lui accorda, il lui a comblé des bienfaits cités dans les versets. N'avons-nous pas ouvert pour toi la poitrine, ou ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton doux et exalté pour toi ta renommée, et en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, c'est-à-dire un bon nombre de bienfaits qui étaient accordés par Allah, son Seigneur, dans
l'évolution, ou bien le changement de direction de la Qibla. Son seigneur, gloire à lui, jugea pure sa langue en disant, et il ne prononce rien sur l'effet de la passion. Il jugea pure sa vue par dire, la vue n'a nullement deviné, n'a nullement dévié, ni autre passé de mesure. De même son corps, par affirmer, le cœur n'a pas menti en ce que la vue. Jugea pure sa raison en disant, votre compagnon n'est pas du tout égaré et n'a pas été induit en erreur. En outre, Allah qualifia intègre l'instituteur de prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il lui a enseigné, c'est-à-dire l'ange Gabriel, à la force prodigieuse. Il qualifia le prophète en personne de la rectitude par dire « Étiez certes d'une moralité éminente » et le jugea crédible par dire « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre » pour quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. L'une des morales tirées du changement de la direction de la Qibla est la nécessité que la communauté s'engage dans la méthode modérée du juste milieu. Cet événement grandiose ancra le principe de la modération de cette communauté au levré Dieu. Exalté soit-il dit, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Il s'agit de cette modération dans la notion globale s'étend à tous les domaines de la vie sans excès ni négligence. Elle signifie la justice, la bonté, le juste milieu et l'équilibre. Il nous sied de revenir à cette modération de laquelle Allah, gloire à lui, nous honora et d'être juste dans toutes nos affaires. Ô l'œuvre de Dieu, exalté soit-il dit, ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement, c'est-à-dire par tapageur, ou bien par exemple excès. Sinon, tu te trouveras blâmé et chagriné. Il dit également qui, lorsqu'il dépense, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Les mêmes Al-Awza'i qu'Allah l'agré dans sa miséricorde dit tout ordre qu'Allah prescrit en islam, Satan ici de le contourner par ton inspiré l'Inde debout, sans se soucier pour lequel tu opteras l'excès et la négligence. Il faut donc s'engager de chemin de facilité et de tolérance et non pas adopter celui de négligence ni d'excès. La méthode de l'engagement religieux, axiologique et éthique, sans excès ni intégrisme. Le fait que la communauté musulmane sera témoin sur les autres communautés exige qu'elle accomplisse parfaitement son devoir pour être méritoire de ce témoignage. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agré, le prophète, sa bénédiction sur lui, dit « On fera venir Noé le dernier jour et l'interrogera. Avais-tu transmis le message à ta communauté ?» Il répondra « Mais oui, mon Seigneur, Allah demandera la communauté de Noé. Vous l'a-t-il transmis ?» Il répondra « Mais non, aucun avertisseur ne nous parvint. Allah réinterrogera Noé. As-tu des témoins ?» Noé répondra, oui, moi, Mohammed et sa communauté. Ces derniers feront donc le témoignage. Puis le messager d'Allah, salut bénédiction sur lui, récita, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Parmi
Les morales tirées de changement de la qibla et la réaction positivement rapide croyant à l'ordre d'Allah, gloire à lui, et celui de son messager, salut, bénédiction sur lui. Cet événement représentait un indice démarqueur en matière de la confiance que mettaient les compagnons qu'Allah les agrée en tout ce que le messager d'Allah, salut, bénédiction sur lui, leur apportait de la part d'Allah, gloire à lui, qui bien ouvrit leur cœur à la vérité. Allah dit à ce propos, et nous n'avions établi de la direction de Qibla vers laquelle tu te tournes que pour savoir qui suit le messager Muhammad et qui s'en tourne sur ses talents. C'était un changement difficile, mais pas pour ce que Allah guide. Le croyant donnèrent l'exemple le plus sublime en matière de l'agrément rapide de l'ordre d'Allah, gloire à lui, et celui de son messager, salut et bénédiction sur lui, lors de cet ordre de s'orienter de la mosquée Aqsa à celle sacrée, le croyant s'y soumirent aussitôt et s'orientèrent tout en faisant la prière tout soumis et sans controverse vers la mosquée sacrée d'Allah pour parfaire leur prière. Ils n'attendaient pas jusqu'à la fin de la prière en vigueur, ni hésitèrent à se soumettre à l'ordre. Ils s'orientèrent tout de suite en étant agenouillés de la mosquée Aqsa à celle sacrée. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, lorsque des gens étaient dans la mosquée de Qibla, dans la mosquée de Qiba, en train de faire la prière de l'aube, un homme leur vint dire une révélation descendue au prophète, l'ordonnant de s'orienter vers la Kaaba, dirigez-vous-y. Leur visage était orienté vers la Syrie, ils se dirigèrent vers la Kaaba. Dans la même perspective s'inscrit l'importance de la prière et la vaste miséricorde qu'Allah, gloire à lui, accorde à ses serviteurs. Le noble Coran fait liaison entre la prière et les deux événements grandioses dans l'histoire de l'islam. En l'occurrence, le miracle du voyage nocturne et d'ascension et la prière fut prescrite de haut de sept cieux au cours de cette nuit à titre de démontrer sa place et son prestige et l'événement de changement de l'orientation de la Qibla qualifiant la prière de la foi. Allah, gloire à lui, dit « Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. » D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, lui et son père, lorsque le messager d'Allah, salut bénédiction sur lui, s'orienta vers la Qibla, on interrogea « Qui donc pour nos frères morts qui se dirigeaient vers Jérusalem ?» Allah, gloire à lui, fit descendre et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire votre prière. La première direction était une obéissance à un ordre divin, l'autre est de même. Donc il n'y a que l'obéissance ici, il n'y a point de désobéissance. Cela pour donner, pour leur assurer l'agrément de leur prière vers Jérusalem. Puis vint la fin des versets. Pour apaiser les âmes des croyants et attirer le cœur de tous les humains. Oh Allah, gloire à lui, dit Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, cette miséricorde divine qu'enferme tous les humains est plus grandiose vis-à-vis de croyants. Parmi les morales tirées de cet événement également est ce lien étroit entre la mosquée sacrée et la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. La mosquée sacrée est la première établie sur la terre pour que les gens y rendent culte à Allah, gloire à lui. Alors que celle d'Al-Aqsa est numéro 2, c'est le 10e.
D'après Abu Zar, j'ai dit au messager d'Allah, quelle est la première mosquée fondée sur la terre? Il dit, c'est la mosquée sacrée. Puis, réinterrogé-je, il me répondit, la mosquée Aqsa. Je repris, combien de temps entre la construction du Dou? Il me répliqua, 40 ans. Puis après, autre cette mosquée, partout où la prière t'y est annoncée, fais-la, car la bonne rétribution s'y retrouve. Le changement de l'orientation de la Qibla noue un lien étroit et ferme entre les deux mosquées, comme le fait le voyage nocturne et d'ascension. Allah, gloire à lui, dit gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Il faut donc les défendre et protéger les deux, de ne point les délaisser. Ils sont un dépôt au cou de tous les musulmans jusqu'à la fin du monde. Disant cela, j'implore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons et ceux que leur suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam. L'examen de l'événement du changement de l'orientation de la Qibla nous révèle une affaire sérieuse à laquelle il faut s'arrêter pour saisir les exigences et échéances de ce changement dans notre réalité actuellement vécue. Le vrai changement ne concerne pas ni le temps ni le lieu. Il concerne plutôt la compréhension du signifié de l'évolution et la réponse si rapide à l'ordre d'Allah. La morale ne réside point dans l'orientation vers le levant et vers le cochon, mais plutôt dans la direction vers Allah, gloire à lui, et le fait de se remettre vraiment à lui. Il s'agit de la véritable évolution, de la démolition vers la construction et la réforme, de l'oisivité et l'inertie vers le travail et la production, de la fusion de sang à les immuniser, de la violation de sacré, de l'agression des biens et honneurs vers leur protection. Allah exalté soit-il dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le cochon, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien qu'elle soit bien aimée. De donner de ses biens, amoureux soit-il, même si c'était par amour, qu'on aille aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigènes, indigents et de ceux que demandent l'aide, et pour délier du joug, d'accomplir la salate et de quitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. En accueillant l'une des nuits les plus prestigieuses du mois de Sha'ban, à savoir la nuit médiane, il faut passer de la rupture au renforcement du lien, de l'animosité, la rancœur et la haine, au pardon, à l'indulgence et à l'entre-miséricorde. Cette nuit médiane est celle du pardon et de l'absolution de toutes les créatures, sauf le polythéiste et le querelleur. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah gloire à lui se révèle par sa miséricorde la nuit médiane de Sha'ban, il aboussou à tous ses serviteurs, sauf le polythéiste et le querelleur. Heureux donc, c'est lui qui pardonne ceux qui l'a lisé, renoue les liens avec ceux qui les a occupés avec lui
et fait bien à celui qui lui a fait du mal. Ô Allah, accorde-nous piété et accorde une piété à nos âmes, purifie-les, tu es le meilleur à les purifier, tu es leur parrain et leur seigneur.